Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là, on est sur Old World Soustrom, sur la vidéo numéro 6. Et on va continuer, on va devoir aller, enfin, on va devoir monter dans un train ou voler le train. Je ne sais pas trop en vérité, mais on doit rejoindre enfin un train à détourner. Donc apparemment, on doit le voler. La seule chose qui barre le chemin entre une installation haute et fourrier de grouillons de sling me rend d'envie de tuer quelque chose. Ok, il va falloir parfois se faufiler discrètement plutôt que d'attaquer. Ok, donc il y a des moments où il va falloir plus se faufiler. Alors, bah ça c'est la même chose, je crois, quand j'appuie sur. Ouais, ça m'explique la même chose en réalité. Donc c'est bon, on a une petite sauvegarde, donc point de contrôle. C'est parti, on va essayer d'aller voler le train. Ok, donc la station elle est par là-bas. On va essayer de voir. Ah ouais, c'est quoi son contenu? Ça ne sert un peu à rien. On va pouvoir monter ici. Hop là, j'ai failli tomber. Alors ici, on va essayer d'appuyer sur carré pour voir. Alors, certains de ces anciens centres ont survécu à ce qu'on environ. S'ils ont doté d'un pouvoir spirituel, pose les mains dessus. Une étrange version. Ok, d'accord. Ok. Alors là, on a deux solutions. Soit on passe en bas, soit on passe en haut. Moi, les trois quarts du temps, je passe toujours en bas en premier. Et je prends en haut. Parce que plus souvent, en haut, ben, c'est quand on a. C'est où on doit aller en haut. Donc le plus souvent, je pars toujours en bas. Oui. Ça me pose problème. Alors, j'ai rien acheté. Ah, le problème, c'est que voilà, j'ai rien acheté. Alors, est-ce que je peux construire des trucs? Attends. Antidote, je peux pas. Et ça, je peux rien faire au niveau du. Ok. Alors, bah là, ça me pose un problème parce que j'ai rien du tout. Je peux rien faire. Si je vais dessus, je vais mourir, c'est sûr. Bon. Ok. Donc, c'est pas le bon passage. Bon, il va falloir qu'on revienne ici, à mon avis. Dès que je peux, on repassera par là. Mais il va falloir sûrement avoir d'autres accessoires. Mais s'ils ont mis des mines comme ça, c'est qu'il doit avoir quelque chose. Je reviendrai hors vidéo. Hop. Ok. Ça, je vais essayer de passer. Ah, j'ai des vues là. Hop. Ok. Donc on va appuyer. Alors. Ok, on a un sniper. On a même deux snipers. Et on a un site d'ascenseur. Ok, d'accord. Là, par contre, on n'a pas l'observateur. Alors, on va devoir jouer au sniper. Alors, mon ami vient. On va quand même l'appeler. Alors, on va appuyer sur carré. Alors, les zones. Alors, c'est une zone de vapeur. Les vapeurs semblent être si épaisses que même les scanners signes ne pourront pas détecter. Ok, d'accord. Donc, on va devoir se mettre dedans. Ok, hop. Ah, bah, vous voyez, ils peuvent pas nous voir. C'est cool. Tous. Alors, est-ce qu'il y a un ennemi ou pas? Zone trouvée secrète. C'est pas mal. Ah, ok. Mais est-ce que j'ai un allié ou quelque chose comme ça? Non? Ah non. Enfin, on va te mettre là-bas. Ok. Je vois pas d'allié. Alors, souvent, quand on a un allié, de toute façon, il est marqué carré. Donc, si j'appuie sur carré, ça passe. Mais là, non. Peut-être qu'il y en a des autres. Je vais peut-être devoir repasser par là. C'est quoi ça? Non, ça sert à rien à voir. Ça sert à rien à voir. Voilà. Hop, on va se cacher. Donc ça sert à rien de courir comme un fou. De toute façon, dans tous les cas, le sniper, il va nous... en un coup, il va nous tuer. Donc si on va trop vite, on est mort. Peut-être que je peux le ramener de l'autre côté. Hein. Ok. On y va. On y va. Et bien. Là, on va pouvoir le ramener de l'autre côté, celui-là aussi. C'est parti. On va courir. Ah, c'était de l'autre côté, là-bas vous. Hop, c'est bon. Allez, on y va. Ah, j'attends qu'il arrive.
Voilà, on est sauvé deux. Oh oh. Ça c'est de la technique. Alors ici il faut que je passe entre les deux. Hop, hop, c'est bon. Alors par contre je vais, ouf, je vais quand même aller voir en bas. Il n'y a rien en bas. Okay. Quand même regarder toujours en bas au cas où. C'est là. Hop. Hop. Ok. Pareil. Est-ce que je peux aller en bas? Bah il n'y a rien. Ok d'accord. Bon j'ai fait un peu le con. Parce que là. Ouf. J'aurais pas dû descendre, hein. Pas. Au moins je sais que là, hop, je peux passer là direct. Voilà. Là un peu pareil. Voilà. Et donc ici par contre, j'ai l'impression que là non. Donc je vais peut-être descendre un peu. Voilà. Hop, hop. J'ai toujours peur qu'en réalité il y a quelque chose de secret en bas. Et... Non là il n'y a rien. Ici, hop, comme tout à l'heure. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose en bas? Non. Allez, on y va. Hop, il s'est abaissé tout seul. J'avais pas vu que c'était en hauteur, hein. J'ai cru qu'on était sur le même axe. Allez, 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 allez. On va essayer de passer tout de suite. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose en bas aussi? À chaque fois, j'aimerais bien savoir s'il y a quelque chose en bas. Non, il n'y a rien du tout. Donc, lui, on va attendre qu'il repart. C'est bon. Donc, il n'y avait rien en bas. Allez, carré. À l'intérieur. C'est parti. Alors. On va appuyer sur le bouton. Alors, c'est les signes endormis. Faites attention à ne pas les réveiller en faisant trop de bruit. Ok, donc... Ah ouais, c'est vrai que là, ils ont dit qu'il va falloir faire vraiment pas de bruit. On va faire pas de bruit. En plus, on peut les fouiller, donc ça, c'est pas mal. On va peut-être pouvoir choper une clé. Pareil, voilà, j'ai chopé une clé. Bon, bah, par contre, voilà, je suis obligé de laisser endormi. Mais par contre, si je trouve des armoires fermées, je peux mourir. C'est quoi, bouteille vide? Okay. Ok. De l'argent. Ok. Des mots à 5. Ok, d'accord. On descend. On fouille. Je pense que là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Je vais me mettre ici. Hop, voilà. Alors, point de contrôle. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, touche deux fois carré pour te cacher dans un casier. Ah, ok, d'accord. Ah ouais, c'est pas mal. C'est-à-dire là, je peux fouiller. Hop, fouiller. Mais si j'appuie deux fois, hop, voilà, il va rentrer. Ah, c'est pas mal ça. On est en mode furtif. Donc l'idée, en façon, dans tous les cas, on peut pas le tuer puisqu'il y a le... La cible de bombe au-dessus, là, électrique. Par contre, j'ai intérêt à faire gaffe parce que normalement il rate le truc. Ouais, c'est ça. Vide. 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 Non, dedans. Il faut fouiller les casiers parce qu'il y a peut-être plein de trucs intéressants. On va attendre qu'il s'en va. Ok. C'est bon. Ah ouais, descend. C'est parti, on descend. Alors là, on a un ennemi qui est endormi. On va s'en prier. On va s'en faire tomber. Oh, il y en a que un qui est endormi.
J'ai vu la porte quand elle est restée un petit peu ouverte, comme ça. Il dort bien, notre truc. C'est plaisant. Hein. Alors, je peux fouiller. Ouais, je vais frapper. Ah ouais, j'ai carrément... J'ai même pas besoin de fouiller. Ah oui, j'ai dû trouver du ruban adhésif. Okay. Alors, on va fouiller les casiers. Oh, oh. Non, non, non! Oh, regardez ma vie. Oh, j'avais vraiment pas grand chose. Ah, je pense que j'ai compris en réalité. Quand le casier il est ouvert, ça veut dire qu'il est vide. Il faut que je fouille que les casiers qui sont fermés. Je pense que c'est ça. On va attendre qu'il se calme. Voilà. De toute façon, dans tous les cas, la porte elle vient de se rouvrir. Donc ça veut dire que la porte n'est pas ouverte. Là, il faut que je fouille tous les casiers qui sont ouverts. Donc je pense que, regardez, si j'appuie là, il est marqué vide. Voilà. Si j'appuie là, il va le fouiller. On va aller là. Hop. On va se mettre dedans. On va attendre qu'il fait de l'autre côté. Donc là, j'ai encore deux casiers pleins. Là, ça m'évitera de fouiller les casiers pour rien. C'est ça? Ouais, c'est bon. Vous voyez, après, le casier reste ouvert. Donc ça veut dire que je l'ai fouillé. Voilà. C'est bon. Je viens de comprendre. C'est nickel. On peut descendre. Voilà, tirer. Allez. Ok. Alors attends, je vais faire autrement parce que là, ça. Est-ce que je peux le maintenir et pas le voler déjà? Qu'est-ce que ça fait si je fais ça? J'ai pas tiré sur le bon truc. Je vais mettre comme ça, hop. En dedans, en dedans. Oh man. Après, je me demande, j'aurais peut-être pu directement le tuer. On va attendre qu'il se calme. Oh, it's been a long day. Est-ce qu'il va rester là ou est-ce qu'il va bouger? Je vais repartir de l'autre côté. Je pense qu'au niveau de la technique, je pense que je vais pas faire comme ça. Hop, on va faire ça. Hop, voilà. Voilà. Pourquoi c'est plus ça? Voilà, on ouvre. Voilà, tout à fait. Voilà. Ça, c'est plus simple. On va essayer de récupérer un maximum. Là c'est vide, là c'est vide. Non, c'est bon. Okay, là. Okay. 90 casiers. Ah ouais, ok, d'accord. J'ai un défi, je dois en ouvrir 90. Ok, alors là, hop. Alors les 1. Ah ok, je dois payer. Donc c'est bien ça, c'est de l'argent. Et si je j'ai pas assez d'argent, je peux pas avancer dans le jeu. Ok, j'ai du ruban adhésif. Donc s'il y en a qui en a... Ok, là on a 0, donc c'est... je peux avancer. Donc il faut vraiment fouiller un maximum de casiers. Utilise la roue pour ouvrir les portes. Il faut peut-être plusieurs tours. Enfin, plus d'un tour pour les portes s'ouvrent. Ok, d'accord. Ok.
Ok, à peu près 5 tours. Je voulais pas appuyer sur ça, ok, je voulais marcher en mode tranquille. Je me suis trompé. Lâche le truc, Le problème c'est que si je le fais, donc, on va attendre que l'alerte s'est enlevée en réalité. On y arrive. Moyen. Le problème c'est que c'est... Le problème c'est que c'est long à ouvrir les trucs. Hein. Allez. Maintenir, appuyer, bah, j'en demande. Hop. S'il me voit, je suis mort. Il est pas loin. À mon avis, il va descendre, non? Ok, 5 tours à chaque fois. J'avais bien coté au départ. Donc là, pareil, à maintenir. Et de temps en temps, on appuie sur maintenir et ça marche pas. Et à mon avis, il va sûrement avoir une mise à jour parce que. 4, 5, c'est ouvert. Donc là, c'est pareil, il faut faire attention parce qu'ils sont là. Ça va, là, il est juste à côté. Donc ça passe. Allez, maintien. Oui. 1, 2, 3. C'est bon. Ok, on a récupéré des guerres. Alors, on va fouiller ici déjà. Alors, j'ai des avions en dessous, j'ai vu. Donc là, j'ai une tirette. Oh, j'aime pas quand il y a des tirettes de couleur. On va repasser par en haut après pour voir. Je veux juste savoir si... C'est quoi que ça? Alors, je peux recycler les bouteilles vides. Donc là, si je fais, ouais, je vais faire annuler au cas où, parce que j'en ai peut-être besoin. Mais je peux recycler les bouteilles vides. Ok, d'accord. Donc là, on va faire ça. Hop. Je vais juste voir en haut. Donc là, pareil. Voilà, il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Ah, de toute façon, il était noté 6. Ok, d'accord. Bon, on va ouvrir. Hein, on verra bien. Ok, donc là c'est bon. Ah, j'ai pas besoin de les soigner en fait. Voilà, ils vont me suivre et je vais leur demander qu'ils restent ici. Donc, c'est pas besoin de descendre. Ah, ici, qu'est-ce qu'ils me disent? Voilà, un indiqué. Bon, bah, ça on connaît ça. Alors, c'est un peu trop tard en fait. Hein. Je vous explique que si vous faites haut, ça les fait venir. Et si vous faites bas, ça les dit reste ici. Alors, on va attendre. Ok, ils ont mis leur carte. On a 6. Allez, ouvre. Oh my god, are you guys hungry? Ouvre le...
On va monter en haut, on va monter en haut, on va monter en haut. Alors. Ah ok, d'accord. Donc si j'appuie deux fois pour me cacher dans un casier, ils vont faire pareil. Ok, bon, on va tester ça. Déjà, on va descendre. Je vais prendre par exemple le dernier casier, carré, carré. Hop, je suis caché dedans. C'est pas mal. Ok, ils se sont cachés. Bon, on va attendre que l'ennemi se bat. Et après, en même temps, je crois que j'ai même remarqué qu'il fouille le casier à ma place. Donc ça veut dire qu'il y a de l'argent qui a atterri. Après, je suis pas sûr, je vais regarder dans les prochains casiers. Mais il me semble qu'en bas, j'avais vu que j'allais gagner de l'argent. On va attendre. Donc on va venir ici. Hop. Ok. On va faire comme moi. On y va, on avance. Carré. Deux fois. Ah, regardez. 58. Ok. Donc là, j'ai 43 casiers fouillés. Par contre, ça m'embête parce qu'il y a lui là-bas en haut. Je suis intéressé par un bateau en haut. Mais venez, 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 venez. Montez, 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 montez. Il faut qu'il monte. Ouais. Restez ici. On va juste le fouiller lui. Ah bah. Ouais. Je vais aller. Ok, donc là, on va essayer de fouiller ça. Ok, boîte de conserve, j'ai retrouvé du ruban. Donc là, on va redescendre, on va cacher. On va attendre qu'il s'en va là-bas au bout. Attends, je vais attendre parce que si je me mets trop au bas. Je viens de le dire en plus. Si je me mets trop au bas, je vais mourir. Bah, j'ai fait une carte. Allez. Regardez. Tac, 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 l'argent. Je pense que je vais pas faire comme ça. Je pense que je vais faire tous les casiers et après je vais aller chercher le bonhomme tout seul en haut parce que je pense que j'aurais pas dû faire ça. Il y a trop d'alliés pour tous les gérer en même temps. C'est un dommage qu'on peut pas leur donner l'ordre de rester dans les casiers en fait. Déjà qu'ils nous suivent, c'est déjà pas mal, hein, j'ai pas compris. On va attendre qu'il a dépassé le casier. Sinon, à mon avis, l'autre gars va se le prendre. Donc là, je vais prendre le dernier, comme ça, hop, on va rentrer dedans. Ah. Allez, allez, allez. Voilà. Allez, 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 allez. Ok, bon, je vais laisser mourir, là, ça sera mal. Arrêtez, j'ai pas sélectionné le dernier casier, donc ça m'a mis. Bah, ça m'a vu. Rentre dedans, allez, rentre dedans. C'est assez facile, mais de gérer 6 personnes en même temps, il y a des moments, regardez, il a pas été sorti dans le bon casier. Hein. Et ils ont quand même un temps de retard, ils sont pas au même endroit que moi. Voilà. C'est pas grave, s'ils ont pas fouillé tous les casiers, je ferai après. Je regarderai les casiers qui ont la porte fermée. Et... Voilà. On va aller jusqu'à la fin là-bas. Ouais. Au pire, quitte à rester dedans en premier. Hein. Allez, rentrez. Allez, allez, allez. Montez, 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 montez. C'est pas la solution. Et il a bugué le dernier. Je sais pas pourquoi il a bugué. Il y a un petit truc bizarre. Hein. Alors quand il y a 6 casiers, ça marche très très bien. Mais quand il n'y a pas plus... Ils sont pas au top du top. Hein. Là, il y en a 7 des casiers.
Et je pense qu'on va rentrer dedans et on va ressortir direct sur l'Eden. Ça sera plus simple. Comme ça, je monte direct et je serai tranquille. Allez, rentrez. Ah ouais, j'ai pas l'impression qu'il y a des cailloux qui me manquent. On va se dépêcher, Allez, prends. Montez. Allez, montez. Le dernier va mourir. Ah ben, je pense que je vais pas faire les derniers. Je pense que le dernier, les derniers casiers, je sais pas s'il y a un bug ou pas, mais vous voyez qu'ils rentrent pas comme les autres. Donc on va monter tout de suite. Ça sera plus simple. Et je ferai les casiers moi-même. Il n'y a que les derniers casiers que je vais pas faire. Je vais les faire, mais tout seul en fait. Je vais donner l'ordre en haut, ils vont rester en haut. Je vais pouvoir revenir m'occuper du gars qui est en haut. Et en même temps, ça va être plus facile de gérer avec une personne que tous. Parce que vous voyez, il bug en VT. Donc il va pas au bon endroit. C'est un peu chelou quand même. Pour ça. Allez, hop, là. Là, ça va. Ok. Voilà. Donc, venez avec moi. On se casse. Allez, montez. Voilà. Restez ici. Non. Faut pas que je reste au bord. Donc là j'ai encore un casier à fouiller. Le gars d'en haut il va retomber dans lui, donc il n'y a pas de souci de ce côté là. Et là j'en ai 1, 2, 3, 4. Voilà, donc lui on va voler. C'est pas grave. On va voler dans la poubelle au cas où. Voilà. Vous voyez, c'est plus facile de gérer quand on est tout seul. Que de gérer avec les gars. Allez, venez avec moi. Donc. Qu'est-ce que je dois faire là? Ok, donc il faut que je fasse attention. Ah ouais, ok, au niveau du laser. Donc, faut que je fasse attention. Tac, tac, allez, rentrez dedans. Bon, pareil, il va falloir que je les mette là-bas au bout. On va être. Après, je m'occuperai du reste, c'est pas grave. Mais est-ce qu'il y a des trucs qui n'ont pas été fouillés? Il n'y en a qu'un. Je vais rester ici. Je vais aller fouiller le dernier qui est là-bas. La poubelle qui est en bas. Voilà. On est avec moi. Let's go. Ok. Donc voilà, c'est plus par en haut. Donc, pareil, le même principe. Je peux pas passer par. Enfin, on peut pas passer par le haut. Montez.
Allez, on y va. Allez, rentrez. Allez. Okay, on va attendre que tout est en haut. Oh, c'était trop juste là. Le gros problème, c'est que je peux pas sortir parce qu'on n'est pas au bon endroit. Donc il faut que j'attends que l'autre soit en haut. Non, c'est bon. Ça va être trop juste. Allez, vas-y, sortez. Allez, rentrez dedans. Il faut que j'attends qu'il revienne. C'est pas grave, on va faire autrement. Venez. Rentrez. Et voilà. Ça c'est pas le top. Alors, est-ce qu'ils vont tomber endormis ou pas? Ça je ne sais pas, mais ça c'est pas le top. Ah bah ça va, faut tomber endormi, donc c'est le top. Allez, on avance. Il y aura deux casiers que j'ai pas fait. On va attendre, allez. J'ai sauvé 6. 6 sur 30 par contre. Par contre, je crois que celle-là va durer longtemps parce qu'on est déjà à 30 minutes, j'en ai sauvé que 6. J'en ai 32 à sauver. Bon, même si je sauve pas les 32, j'en aurai au moins une petite vingtaine à sauver. Donc on a vu, ça va durer un peu plus longtemps que d'habitude. Ok, une bouteille de lumière. Okay, bon, c'est parti. Donc là, on est dans le même principe que tout à l'heure. Allez. Allez, appuie. Est-ce que j'ai une clé? Verrouillé. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par là? Je peux pas aller par là. Appuyez sur. Donc on va devoir aller là-bas tout en haut, c'est ça? Si j'ai bien compris, on va devoir à chaque fois avancer et aller là-bas tout en haut. Ok, donc là, est-ce que je vais pouvoir partir par là ou par là? Là, j'ai un point de contrôle. Je vais essayer de partir par là déjà. Ah, je ne peux pas. Ok, d'accord. Donc c'est pas là. Ok. Oh, c'est quoi ça? Ah, si, c'est pour mettre les... C'est moi qui dois allumer la fumée maintenant. Ok. La fumée elle était allumée mais c'est moi qui dois... Bah j'espère qu'elle va rester allumée aussi. Par contre si elle reste pas allumée, ça risquerait de poser un problème. Oh, on voit pas. Je suis tranquille. On va refermer derrière. Hein. On va pas faire un peu. Alors là pareil c'est fermé. Donc je peux pas se verrouiller. Alors, descendre, monter, descendre. On descend. C'est parti. Oh, il est venu. Let's get you out of here. Freedom! Everybody, let's go be free! We never really noticed how nice it is down here. 2, 3, 4. Choc. Cachez-le. Ah, j'ai une possibilité de passer par en dessous ou par au-dessus. Attends. Non, on va attendre.
peux pas l'électrifier. Moi je peux pas le prendre. Parce que si je prends par en dessous, à mon avis, eux ils vont prendre par au-dessus. Donc ça va poser un problème. Oh la gomberie, gomberie, gomberie. J'aimerais bien garder les maximum que j'ai. C'est que si moi je passe par en dessous, et ils vont passer par au-dessus, donc ils vont mourir. Donc ça fait un peu à moi. Ah, c'est juste que y'a quoi là? Ouais, bon. Il n'y a que de la vie. Ça sert un peu à rien. Je vais essayer de mourir. Allez, hop, à deux. Il me faut les alliés. Allez, hop. Ouais, peut-être que moi je vais et que je leur dis d'attendre. Ce sera peut-être plus facile si je fais ça. On va ici, ah ben voilà. Mettez-vous là. Restez là. Voilà. Là, on va attendre ici. Et moi après je pourrais les rappeler s'il faut. Dès qu'il sera là-bas, moi je vais pouvoir les appeler. Allez, allez, let's go, let's go, let's go, let's go. Ah non, tu peux pas tuer là, il est dans le... C'est un peu bon, c'était la bonne idée. Après, il faut peut-être que je me mette en silencieux comme ça quand je fais ça, voilà, il parle doucement. Et donc j'aurai pas de... Voilà. Je vais le mettre comme ça. Voilà. On va attendre. Que je les garde. Allez, maintien. Faut que j'arrive à les avoir. Sauter. Voilà, je vais rester là. Ça, moi, je vais être tranquille. Je vais pouvoir. C'est pas facile, on va dire.
sauver. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi ça? Voilà. Appuyer sur 3. Gratuite. Ok, d'accord. Donc je peux acheter gratuit. Ok, je suis plein. Ça, c'est quoi? Recyclage. Je vais pas le faire tout de suite. Je le ferai plus à la fin. Au cas où, si un de ces quatre, j'ai besoin d'argent pour pouvoir rentrer sur une porte. Alors, moi, je pourrais l'utiliser. Alors là, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. On est rentré. Ah, ici, je sais pas si c'est. Oh. Voilà. C'est ce que je dois faire. Fabriquer des écrans de fumée. Ils t'aideront à passer les scanners sans être détectés. Fouiller les bennes à ordures pour trouver des objets dont tu as besoin. Appuie sur plein pour ouvrir le menu de fabrication et trouve la recette des écrans de fumée. Ok, d'accord. Donc là, pareil, je peux fouiller. On va fouiller, on va le faire. J'ai peut-être du matériel, j'aurais besoin là-dedans. Du détergent, ok. Trois détergents, j'ai trouvé. Ah, ok, boîte de conserve. Bouteille vide encore. Ok, et là, le dernier. Ah, ici. Donc là, il faut que j'appuie une fois sur triangle. Donc là, on a écran de fumée. Donc il me faut des bouteilles de bière et du détergent. Ok. Donc, on va faire. Combien je peux en faire? 10. Ok, là. Donc, écran de fumée. Donc là, j'ai pas besoin de bouteille spéciale. Hop, hop. Non, c'est bien ça. Hop, hop. Je dois peut-être le mettre là au pied. Ah ouais, nickel. À mon avis, je vais devoir aussi l'utiliser sur les ennemis, ça c'est sûr. Ça. Donc il faut bien que j'ai du détergent et de la bière. Ok, donc là, tout est couvert. Tout est ok. D'abord, quel est l'intérêt? Ah ouais, je comprends pas. Voilà. Parce que lui, ça marche aussi. Essayer d'en mettre un à peu près au centre. Voilà. Oh, oh, ça marche. Ça marche. Ok. Vraiment, j'ai une. Mais par contre, il faut que je me mette dedans. Là. Ah, pas mal. Ah, c'est bon. Ok, là, la benne. Bon, bah, je vais me taper toutes les bennes et tous les casiers. Ah, je suis plein. Ok. On y va. Alors, hop, hop. Là, je vais monter ici. Donc, je suis prêt à parier que ça va marcher aussi sur les ennemis. Par contre, est-ce que si j'appuie deux fois sur carré et je rentre dans la benne? Non, c'est une fois ça. Donc je vais sûrement devoir utiliser un bon fumigène pour pouvoir passer. Je vais bien lui, hein. Ok. J'ai eu le temps de faire les poubelles. Ok, c'est bien. Ah. Donc il faut surtout pas que je dise c'est de prendre de la bière. Ça aurait été plus facile de passer par en haut, mais je pense que je vais devoir fouiller la poubelle, donc autant fouiller. Ah, je suis en mode tranquille.
pense que je vais faire comme tout à l'heure. Je vais jeter un truc là. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir faire un petit coup là. Un petit coup là. Je vais vendre quand même les trucs, peut-être à regret. Allez. Je vais vendre. Au cas où, j'aurais peut-être besoin de thunes. Pour le temps que je fais. Oh 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 oh. Ça aurait été là si je l'aurais raté. Ben. Ah ok, je dois passer par là. Tu m'as pas eu. Oh, oh. Là, franchement, j'ai eu la. Ok, je suis à 50. On va aller tout au fond, il n'y a rien. Là, c'est un de ces réflexes que j'ai eu. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai eu le réflexe. Ok, donc là, je suis plein en bière. De toute façon, dans tous les cas, il y en a là. Ici, hop. Ouais, en bière, je suis plein. Non, je suis fou. C'est bon. Il est marqué gratuit pour tous les ouvriers. C'est pas mal. Il m'a électrocuté. Comme jamais. Je devrais en jeter un là et un au fond. Je pense que ce que je vais faire. Il faudrait que j'en jette un là-bas et un au fond. Voilà. Un à peu près au milieu. Voilà. Voilà. Un au fond direct.